Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La version WhatsApp pour les ordinateurs est officiellement disponible. Alors pour utiliser cette application, elle doit être installée sur votre smartphone et que votre smartphone soit connecté au même réseau Wi-Fi que votre ordinateur. Et donc, l'application mobile et le client WhatsApp de votre ordinateur doivent ensuite être reliés en scannant à l'aide de votre smartphone le code QR affiché par WhatsApp sur votre machine de bureau. Alors, pour cela, pour l'utiliser, il faut premièrement aller télécharger et installer l'application sur votre ordinateur. Pour cela, vous devez y aller sur cette page où je vais vous mettre le lien dans la description en bas de cette vidéo, puis cliquer sur « Télécharger ». Mais avant tout, il faut préciser que la configuration Windows minimale est Windows 8, puis 8, 1 et 10, mais que ce soit une version 64 bits à préciser. Alors, si vous utilisez la version 32, vous ne pouvez pas donc installer cette application et l'utiliser sur votre ordinateur. Alors, après le téléchargement, vous devez donc installer l'application comme n'importe quelle application et puis, une fois installé, vous allez obtenir le raccourci de celle-ci comme celui-là. Alors, pour l'utiliser, il faut cliquer sur le raccourci pour ouvrir l'application. Prenez maintenant donc votre smartphone. Une fois ouverte, donc il faut utiliser votre smartphone, aller dans l'application sur votre appareil, taper deux fois pour l'ouvrir, et cette fois-ci, vous allez donc taper ici sur les paramètres, puis tapez sur WhatsApp Web et à l'aide de votre appareil, vous allez placer le code, ce code QR à l'intérieur de ce carré et la synchronisation va se faire. Et à partir de maintenant, vous allez donc utilisez WhatsApp à partir de l'écran de votre ordinateur. Vous pouvez donc lire vos messages, vos discussions et envoyer des messages comme si vous utilisez l'application sur votre smartphone. Et voilà, maintenant, comme vous remarquez, WhatsApp, je peux l'utiliser à partir donc de mon PC. Je peux, téléphone non connecté, bien sûr que j'ai un problème de connexion, mais de toutes les manières, voilà votre WhatsApp sur le grand écran des téléphones, ce qui va faciliter donc l'utilisation de cette application. Donc, ainsi, j'espère que cette vidéo vous sera très très utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. À la prochaine fois.